votre avis sur ce document passionnant qu'on vient de diffuser et les arbitres équipés d'un micro. Déjà, premièrement, j'aurais pas aimé être arbitre. Parce que déjà, le faire à l'entraînement quand tu es assistant coach, ce que tu prends, c'est pas évident. Et c'est pas des matchs vraiment à gagner, c'est juste l'envie de gagner de l'entraînement. Enfin bref, pour revenir à ce que j'ai vu, pour moi c'est important, le dialogue peut tout résoudre. Le problème avant, bien sûr, c'est que quand tu parles à un arbitre, des fois, il n'y a pas de retour, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas d'explication. Et quand tu es joueur, tu veux toujours une explication. Ce qu'on a vu là à la mi-temps, quand il parle de la situation avec Slimani, l'expliquer aux joueurs, il y a un dialogue. Des fois, quand tu vas parler à un arbitre, il n'y a pas souvent de dialogue. Donc, le micro force la discussion entre le joueur et l'arbitre. Et attention, les joueurs ne sont pas exempts de tout reproche aussi. Soyons aussi honnêtes. Mais le micro fait que tout le monde doit un peu mieux parler et surtout parler.